Honorable, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Moi, je suis honorable Hadja Fatmata Binta Diallo, députée à l'Assemblée nationale, présidente du Forum des femmes parlementaires de Guinée. Justement, vous dirigez une mission de femmes parlementaires à l'ABE. Quel est l'objectif de cette visite? L'objectif de la mission, c'est pour une sensibilisation, un plaidoyer lobbying. Mais ce n'est pas à l'ABE seulement, hein. Comme nous sommes 25 femmes à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, le Forum des femmes parlementaires de Guinée couvre les 4 régions naturelles. À l'heure où je vous parle, il y a un groupe en Haute-Guinée, en Basse-Guinée et en Guinée forestière. Donc nous sommes à l'ABE avec vous. Qu'est-ce qui a inspiré cette initiative? L'initiative est venue des femmes parlementaires, appuyées par le PNUD, le système des Nations Unies. Vous savez, la population guinéenne, les femmes font 52% de la population. Et les femmes ne sont pas bien représentées. Et ça, à tous les niveaux. Mais quand il s'agit de la mamaya, on a besoin des femmes. Et quand les femmes ne sont pas présentes, elles ne peuvent pas défendre l'intérêt de celles qui sont derrière. Donc c'est pourquoi on s'est levé, couvrir les 4 régions naturelles pour que les femmes acceptent de venir en politique et acceptent en tout cas de s'impliquer à tous les niveaux pour défendre l'intérêt des femmes. Parce que vous savez, quand une femme est responsable, d'abord elle aide le mari, elle aide l'enfant et la femme, son objectif c'est la réussite. Et nous avons visité d'autres pays. Vous savez, aujourd'hui, on a des femmes chefs d'État, on a des femmes à tous les niveaux, c'est vrai. Mais au niveau, à la base, il faut commencer par la base pour remonter. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à l'ABC pour un plaidoyer et lobbying. Et quel enseignement tirez-vous de la rencontre avec les femmes de l'ABC? L'enseignement que je tire avec les femmes de l'ABC, c'est dire que les femmes ont bien compris le message. Parce que là, la parole n'était pas d'un côté. Nous avons présenté pourquoi nous sommes à l'ABE et les femmes aussi, elles ont pris la parole à tour de rôle pour nous dire vraiment qu'elles ont bien perçu le message. Elles ont même projeté une réunion entre elles pour pouvoir se lever parce que quand elles se lèvent, le pays bouge. C'est la Guinée-Guinée, donc il faut bouger. Avez-vous un autre message à nous confier? À vous confier, c'est aider les femmes. Il ne faut pas nous fermer la porte, il faut ouvrir les portes. Il faut nous appuyer, il faut nous soutenir. Aidez-nous à vous aider, vous les hommes. Merci.